Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui la team on se retrouve pour une nouvelle vidéo, top 10 des chichas à moins de 150€. Donc il y a déjà la vidéo à moins de... Enfin le top 10 des chichas à moins de 100€ qui est sorti, le top 5 des chichas à moins de 50€ qui est sorti. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour les vidéos, ou sinon il y a la petite playlist qui va s'afficher ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, le site Dixon Chicha, hop, pour commander, et... le Instagram pour les concours. Pour les concours et même pour suivre, c'est là où je suis le plus actif. Et si vous avez des questions, il y a des réponses la journée et le soir, H24. La team, j'ai décidé un petit peu de changer le système de comment vous conseiller et vous faire la vidéo des top 5 et top 10. Donc vous savez déjà, quand je faisais un top 5 et un top 10, il n'y en avait jamais réellement 5, il n'y en avait jamais réellement 10. Il y en avait toujours un peu plus que le top. Mais bon, je ne vois pas vous dire c'est un top 50. C'est un petit peu chelou. J'ai essayé de changer en fait parce que souvent on me demande c'est quand que tu refais des tops, etc. et tout. Parce que j'ai beau le faire le top là en décembre. La plupart du temps je le fais en décembre parce qu'au moins toute l'année les chichas sortent et d'autres disparaissent. Et au moins je peux le faire en fin d'année. Sauf que je le fais pas tous les ans parce que bah, des fois il y a des chichas bah, qui sont encore là d'année en année. Donc si c'est pas intéressant et c'est pour changer juste une seule chicha d'un an à l'autre. Ça peut arriver en plus, c'est quand même très souvent le cas. Ben, c'est pas très intéressant. J'ai essayé de faire un nouveau système, c'est directement d'aller sur mon site Dixon Chicha dans la catégorie conseils. Il n'y a pas encore, il n'y a pas que les tops, hein. Il y a aussi des conseils de foyer, des charbons, etc. Je vous montrerai juste après. J'ai essayé de faire ça en fait parce que cette vidéo là, par exemple, elle sort en décembre. Mais imaginez qu'une semaine après, il y a une nouvelle chicha qui est dans le top 10 des chichas à moins de 100, 250, enfin selon ce qui vous intéresse, sorte. Et vous voyez cette vidéo là. Et vous dites, ah ça c'est bien, etc. Il l'a conseillé et tout, mais vous n'êtes pas au courant que la nouvelle chicha sorte. Là, ce qui est bien sur le site, c'est qu'en fait, je peux enlever les chichas en temps réel, en remettre des nouvelles si ça sort, et au moins, toute l'année, vous avez les meilleurs chichas que je peux vous conseiller, et c'est pas que en fin d'année. Donc, il y aura toujours les vidéos en fin d'année que je ferai, mais au moins, vous êtes prévenus, et même pour les foyers, ça change et tout. Donc, la team, on va directement passer au vif du sujet pour vous montrer comment ça fonctionne et surtout comment ça a été agencé. On va directement aller sur le site, donc dixonchicha.com. Donc vous allez arriver sur le site. Donc hop, je réactualise pour vous montrer un petit peu. Tac. Vous allez tomber sur le site. Donc par exemple, vous avez plein de bannières ici, donc avec les offres du moment, etc. Donc par exemple, hop, sur Chini, vous avez moins 10% toute l'année sur votre commande avec le code Dixon. Là, par exemple, vous avez une promo sur les substituts que je mets en ce moment, le Black Friday par exemple. Vous avez nos conseils, donc ça, c'est ce que je suis en train de vous parler, c'est ce qu'on a mis en place parce que franchement, ça peut aider énormément de personnes. Tac, 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 tac. Vous avez les deux sites partenaires, donc en fait, on me demande souvent, c'est quand que tu fais ta boutique, c'est quand que tu fais ton site internet. Bah, au lieu d'éviter de me prendre la tête et surtout que c'est beaucoup de logistique à gérer le stock, acheter des produits, les vendre et vendre tout et n'importe quoi. Parce que ça, quand tu as un commerce, tu es obligé de vendre n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vendre tout et n'importe quoi, c'est de vendre des produits, de vous conseiller des produits bah, qui sont propres et que vous pouvez vous enjailler dessus. C'est pour vous vendre des chichas comme tout commerce qui est obligé de tout vendre et vous vendre des merguez. Moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de vous conseiller des chichas. Donc, au lieu de faire du coup un site à moi-même, faire une boutique à moi-même, je préfère faire ce système-là où si vous commandez via Dixon Chicha, bah moi, ça me donne de la force et c'est comme si vous commandez sur mon site, mais vous aurez directement les produits que je vous conseille. Donc, par exemple, si vous avez besoin de commander, tout simplement, vous passez par mon site. Et là, si vous avez besoin de commander un produit sur Mr. Smoke, vous allez cliquer ici. Vous allez tomber sur le site Mr. Smoke. Et là, du coup, bah, ça me donnera de la force. Vous commandez toujours sur Mr. Smoke, mais moi, je gagne un pourcentage sur ce que vous avez acheté. C'est comme si vous commandez sur mon propre site. Hein, ça revient au même. Mais au moins, moi, je vous conseille des produits que moi, je dis que ça me vient. Voilà. Et pareil, sur Chini, c'est le même système, juste à cliquer. Et en plus de Chini, vous avez moins 10% sur tout le site, toute l'année. Vous avez la catégorie conseil, donc ce qui va nous intéresser. Vous avez plein de catégories au-dessus, donc le site pour l'instant, voilà, tout va se changer au fur et à mesure du temps. Et vous avez du coup code de réduction, donc ceci c'est intéressant. Si jamais vous avez besoin d'un code de réduction sur des sites ou sur une offre en cours, vous cliquez dessus et ça se met en temps réel toutes les semaines. La boutique de vêtements par exemple, le programme des vidéos de décembre, donc ça peut être aussi très intéressant pour les personnes qui veulent voir qu'est-ce qui va sortir. Vous avez tout le programme selon les heures et selon les jours. Et nous, ce qui vraiment nous a intéressé pour cette vidéo, c'est conseils produits.
On pouvait voir chicha moins de 50 euros et moins de 100 euros, on les a déjà fait dans des précédentes vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux chicha à moins de 150 euros et on fera bien sûr à moins de 200 et plus de 200. Vous avez aussi les foyers caloud que je vous conseille, les foyers brood que je vous conseille, tabac blond, tabac noir, les systèmes de chauffe, les tuyaux, les foyers charbon, les packs et bien sûr les substituts de tabac. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, tout simplement, c'est les chicha à moins de 150. Donc, on va cliquer dessus et vous allez voir qu'il n'y en a pas que 10. Et pourquoi il n'y en a pas que 10? Parce que, bah, quand j'en mets que 10, bah, y a des chichas que je suis obligé d'enlever parce que bah, d'autres ne vont pas aimer. Par exemple, des traditionnels, je ne vais pas pouvoir les mettre, les traditionnels, parce que, entre guillemets, ce n'est pas ce qui va porter à tout le monde. Je suis obligé de mettre vraiment les best-sellers que tout le monde va aimer. Là, ce qui est cool là-dedans, c'est que vous n'allez pas en avoir 10, pas 15, vous allez en avoir plus selon les catégories. Mais au moins, ce qui est simple, c'est que si vous aimez ce design-là et pas ce design-là, vous aimez cette couleur-là, la taille de ça, comment elle est fournie, etc., vous avez une multitude de choix. En tout cas, ces chichas, elles sont bonnes. Elles sont conseillées, elles sont toutes bien. Après, bien sûr, ça va dépendre de vous, parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout le monde n'a pas les mêmes couleurs. Par exemple, pour 150, il va vous dire direct, Alexander, les gars, Alexander, c'est le best-seller. Sauf que bah, d'autres n'ont pas aimé l'esthétique, donc ils vont plus partir sur une chini, d'autres sur un octopus, etc. Donc c'est pour ça que je pense que cette catégorie, comment maintenant on a agencé la chose, je trouve que c'est largement plus qualitatif. Alors, donc je vais un petit peu faire les revues de toutes les chichas, mais vous pouvez voir, là, il n'y en a pas que 10, hein, il y en a énormément. Mais au moins, vous avez tout. Vous avez aussi de la tradi, par exemple. Vous avez plein, plein de choses. Alors, commençons par la première chicha. Donc, vous avez la chicha de Tsar Alexander. Donc, celle-ci, oui, bien sûr, c'est l'une des premières que je vais vous conseiller. Et limite en top 1, parce que c'est une de mes préférées. Et la préférée de tout le monde en chicha moins de 150, bien sûr. Mais ce n'est pas les goûts de tout le monde. Donc, la chicha de Tsar Alexander. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous avez tous les conseils ici avec le nom. Et avec le prix, si vous, vous voulez plus de détails, vous avez juste à cliquer sur le produit. Vous allez tomber sur le site où ça se vend. Vous avez toutes les coloris là, par exemple. Tac. Donc en ce moment, c'est en rupture, mais la vidéo elle sortira au moment où sera ça disponible. Par exemple, là, ça revient le 8 décembre. Vous avez toutes les photos, vous pouvez voir. Si jamais vous voulez voir d'autres coloris, vous avez juste à swap up comme ça, enfin changer. Tac. Tac, la gold, la black, etc., etc. Si vous voulez un peu plus de taille sur la chicha, bon, il y a des vidéos que j'ai faites, bien sûr, mais sinon, vous avez toute la catégorie ici. Par exemple, elle est fournie avec quoi? Vous avez une cloche chamber. Et plus de détails sur la chicha, vous avez tout directement en cliquant sur le produit. Donc, pour commencer, à Tsar Alexander, le best-seller à 149 euros. 159, bon, un peu plus cher que ce top-là, mais dans les autres coloris. La Tsar Mini Alexander Gold, donc son petit-fils tout simplement, donc en version réduite en mini à 119, c'est la version Gold édition. La Octopus Nemo, donc je l'ai mis, même si celle-ci aujourd'hui je vais moins vous la conseiller parce qu'il n'y a plus de close chamber, c'est pas la backplane, on peut vider complètement la fumée du vase, mais je l'ai quand même mis parce qu'il y a encore des gens qui aiment l'acheter et qui aiment la chicha, donc ça je l'ai mis. La Dumzumkan 13, donc c'est pareil, 129 euros, je l'ai mis encore, même si aujourd'hui on peut avoir mieux, mais certains vont kiffer cette esthétique-là et pas celle-ci par exemple, et ainsi de suite. J'ai mis aussi des petites chichas avec des petites colonnes en bois pour les personnes qui n'ont pas le budget d'acheter Nouka. Vous en avez à 129 euros et 119 euros par exemple. Vous avez mis par exemple la Dume Majesty Wood. Donc pareil, vous avez plusieurs coloris en gold ou en silver. Vous avez par exemple aussi la Skull Diamond. Donc la Skull Diamond par exemple, si vous aimez cette esthétique là où ça repose sur un trépied en bois, pareil, tout équipé. Vraiment là, il y a du choix pour tout le monde et pour tous les goûts, ça qui est intéressant. Vous avez la Paranomix Wood Mini, donc c'est un peu le même délire que la Majesty avec une petite mallette qui est cool. Vous avez Dumb Shutter SS60 qui est une soupape qui est au niveau de la base ici qui est vraiment sympathique avec un vase qui est glow, donc qui se voit dans la nuit, qui s'illumine. Vous avez la Ada MVP 480, donc une grosse chicha au niveau de la taille. Donc par exemple, vous pouvez voir, vous avez des petites chichas, comme vous avez des grandes chichas, etc. Donc vous en avez des goûts pour tout le monde. La Mini Légende, je l'avais présentée l'année dernière en plus, pendant Noël en plus, je crois. Hein, je l'ai présenté à ce moment-là. Vous avez en gold et vous l'avez en silver. Donc pareil, avec une mallette tout équipée, avec la petite pince moustache, qui est très sympathique. J'ai fait une vidéo dessus, qui est vraiment cool. La Unio Avengers, donc pareil, pour les personnes qui aiment bien les chichas un petit peu bah, esthétiquement spéciales, un peu comme la Skull OVNI. Hein. Vous avez celle-ci, c'est une chicha trépied qui est vraiment sympathique, qui est haute, par exemple. Vous avez celle-ci, pareil, qui est tout équipée à 129 euros. Vous avez la chicha Ami SS24 Carbo Ni K à 149 euros qui est vraiment sympathique et franchement ça fait vachement classe celle-ci. Je vais vous montrer, vous avez le petit ressort pour les fans un petit peu voilà, de carbone, de voiture, etc. Esthétiquement elle est ouf, hein. Elle est vraiment sympathique, hein. Elle existe en clear et en noir, mais la noire franchement elle claque, ça fait vraiment genre très luxueux, vraiment vraiment stylé. Vous avez la Dume 3D Skull SS32 à 109 euros par exemple, donc avec les trois têtes de mort au niveau du vase. Vous avez la Océane Uka Can S avec la soupape
qui est sympathique, qui est au niveau d'ici, au niveau de la base en 360, qui est vraiment sympa. Vous avez la Skeletor Edition Gold, par exemple, aussi, qui est tout équipé. Je n'ai pas le foyer. Tout équipé à 109€. La Skelovnik, donc c'est pareil, hein, des différents modèles, selon l'esthétique que vous préférez. Par exemple, c'est le même prix, mais selon l'esthétique que vous préférez. Hein, ça peut changer. De toute façon, vous pouvez regarder les caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques, c'est compliqué à dire. Pareil, vous avez pareil la Skelovnik, mais cette fois-ci en camo. Donc des camos verts, militaires, jaunes, bleus. Vous avez énormément de coloris, par exemple, hop, le camo noir, ça ne va pas changer de couleur si ça change. Le camo bleu, le camo yellow, vous avez énormément de coloris. La SS-22-23 Ragnarok, pareil, qui est assez massif au niveau de l'esthétique. La Shisha Osanuka Kaif S, cette chicha-là, c'est une très bonne chicha au niveau de la qualité. Ce qui est sympa, c'est que vous avez une purge en mode douchette, un peu comme la NX au niveau d'ici. Et en fait, ça va ressortir comme ça. Et c'est super sympa. Et franchement, celle-ci, c'est classe. Hein. Le petit pince qui est sympa. Le manche est super travaillé avec une résine, pareil, qui rappelle la colonne, le vase. Vous avez pas mal de petites coloris. Carrément sympa. Donc, il y en a pour tous les goûts. Cette chicha, c'est une très, très bonne chicha. Vous avez aussi de la traditionnelle. La traditionnelle pour les personnes. C'est pour ça, d'habitude, je peux pas le mettre dans mes tops parce que ça porte pas à tout le monde. Et pour les personnes qui veulent une chicha traditionnelle à la maison... La marque Chica, c'est une très très bonne chicha, très très sympa au niveau des tirages, parce que c'est vraiment des tirages qui pétouillent, mais qui sont lourds, comme on aime dans la traditionnelle, et surtout bah, au niveau de la qualité, Chica, hein, ça rappelle Rain Mamoun à l'époque, hein, c'est une marque qui est très très sympa au niveau de la qualité. Tout ce qui est Chini aussi, hop, pour finir, la Chini... PNL, le cœur PNL, donc à 149€, tout équipé avec un aéroglace, la Vulcan Air, un manche... Et un silicone rouge. La Vintage Rose qui rappelle la Vendetta. Tout équipé, pareil. La Légende que j'avais présentée. La Légende, la grosse chicha traditionnelle ultra qualitative de chez Chini. Et encore là, vous avez à 149€, 119, 129. Tous les chichas de Chini, vous avez moins 10%. Donc vous la payez encore moins cher. Par exemple, vous avez une chicha à 100€, vous la payez 10€ en moins, tu vois. Là, par exemple, vous allez gagner 15 balles dessus, tu vois. Si elle a 200€, vous allez gagner 20€ dessus avec le code Jixon. Donc les Chini, encore, tu vois, c'est encore moins cher. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, la Légende, la Clyde Ebony, des classiques que j'ai présentés il y a longtemps, mais qui sont toujours d'actualité et qui sont moins chers aujourd'hui. Voilà, vous pouvez même trouver de la Clyde à 79€, même 129. Donc vous avez vraiment des choses sympathiques. Voilà, pareil, chica, on finit sur des tradis. Selon les esthétiques, selon les coloris, selon la taille si vous aimez, selon les tirages, selon les prix aussi, de la tradis. Et on finit aussi par la Shisha Hookah Skull Head Glow, donc qui s'allume dans la nuit. Vous pouvez voir, tout équipé, Shisha tout en vert. Il y en a en fait pour tous les goûts. Et c'est ça qui est intéressant de faire ça comme ça et pas faire comme je faisais avant. Surtout, c'est parce que s'il y a un produit qui est plus disponible, bah, je l'enlève. S'il y a un nouveau produit qui arrive dans la catégorie des chats moins de 150 ou dans une autre catégorie, je peux le rajouter sans attendre un an ou deux ans pour faire la vidéo. Parce que sinon, je devrais faire des vidéos toutes les semaines et des nouveaux tops parce que des chichas, il y en arrive tous les jours limite. En tout cas, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner de la force si vous devez commander en passant directement par mon site Jixon Chicha. Je vous en remercie pour les personnes qui le font. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner. Le site, en tous les cas, j'espère que ça vous plaît, comme on a un petit peu agencé la chose. En tout cas, moi, c'est beaucoup plus simple pour aider tout le monde et pour aider le maximum. C'est ça le but un petit peu de la chaîne de Chicha, c'est d'aider et de conseiller. Les personnes qui veulent être conseillées. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le prochain top, ça sera les top 10 des chats moins de 200€. La playlist, sinon pour regarder les autres tops, dans la description. Tous les liens dans tous les cas sont en description pour retrouver toutes les chichas. N'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce bleu, Instagram, Jixon Chicha pour les concours. Et c'est là où je suis le plus actif si vous avez des conseils, besoin de conseils la nuit, 5h du matin comme à 15h l'après-midi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, je répète encore, mais abonnement. Et allez, peace la team !